Évacué dans le plus grand silence dans la capitale française, l'actuel secrétaire général du PCT, parti congolais du travail, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso est l'un des fondateurs, Pierre Moussa serait dans une posture sanitaire inquiétante. Depuis qu'il a été admis à l'hôpital américain de Paris, Pierre Moussa s'est confié à des proches sur son éventuel empoisonnement dont il a été victime. La dégradation de sa santé, de ce cadre de ce PCT s'est accélérée depuis qu'il avait été suspecté par le cercle restreint de l'empereur congolais d'avoir des ambitions présidentielles et qu'il ne soutenait pas assez la succession du pouvoir à Christelle Sassou Nguesso, née d'une mère zaïroise, impliquée dans plusieurs affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'échelle internationale. À l'heure où nous faisons ce décryptage, Pierre Moussa a fait son testament dans lequel il a nommément cité Jean-Dominique Okemba comme étant le potentiel commanditaire de la tentative d'assassinat par empoisonnement. Certains d'entre vous doutent de la véracité de nos informations. Cependant, l'information selon laquelle Pierre Moussa a été empoisonné est à prendre au sérieux. Nous tenons à vous informer, Denis Sassou Nguesso va méthodiquement assassiner les caciques de la scène politique congolaise avant de transmettre le flambeau à son fils. Denis Sassou Nguesso est la sirène des eaux.